Le chef de l'État se porte mieux. Le président Alassane Ouattara, qui se remet d'une sciatique, a annoncé son retour au pays pour ce dimanche. Les rues du plateau transformées en parking, impossible de circuler aisément dans les artères principales de cette commune. Une véritable anarchie qui a attiré l'attention de nos reporters. Et puis hors de chez nous en Ukraine, Crimée toujours sous tension. Des hommes armés font désormais la loi dans cette partie russophone de l'Ukraine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, rentre au pays ce dimanche après près de 3 semaines d'absence pour des raisons de santé. Le président Alassane Ouattara se remet tout doucement d'une sciatique. Il a rendu visite hier au personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Des locaux de cette ambassade, le président de la République s'est adressé au peuple ivoirien qui l'a rassuré quant à l'évolution de son état de santé. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cette situation au plateau, le plateau centre des affaires, désormais transformé en véritable parking. Impossible d'arpenter une de ces rues sans être heurté par des véhicules mal stationnés, situation qui cause de nombreux désagréments, accrochages et autres embouteillages, une anarchie à laquelle s'est intéressé Ami Koulibaly. Le plateau centre des affaires, toujours pris d'assaut les jours ouvrables par de nombreux automobilistes. Des automobilistes qui n'hésitent pas à garer leurs véhicules en pleine rue, des rues devenues par la force des choses des parkings. On gare n'importe comment, les policiers sont là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On veut que non, les gens arrêtent de garer au bord de la route. Une situation aggravée par des voituriers qui n'hésitent pas à faire stationner des véhicules à des endroits mal indiqués, rendant la circulation quasi impossible. Plus ils arriveraient à faire stationner des véhicules, plus ils recevraient des espèces sonnantes, mais les voituriers rejettent ces accusations en bloc. La route des banques, il n'y a pas assez de parking pour que les véhicules se garent très bien. Tu vois, bon, un homme qui quitte un soir à la maison, ou qui ne pas, qui en voyage très loin, dirait son retour soit à la banque. Il n'y a pas de place. Quand ils viennent, quand on leur dit, donc, ah, chef, pardon, bon, comme il y a une voiture, je dois sortir, vous mettez ça en point, ma baisse le fond. Ben. Ils disent non, je ne dis pas, ils rentrent, soit quand HE à Paris, 16h, 15h, 16h. Donc, quelle histoire comme ça, quand la mairie vient, quand la mairie met sa boue, c'est nous accuse. Ceux qui gardent un peu mal placés, ça dépend, la majorité, mais c'est le corps habillé. Les gens même, que vous dites que non, bon, on ne garde pas ici, il va te gifler. Tu ne peux pas réagir, tu as voulu réagir, il va appeler, l'homme qui va appeler, qui va venir là, toi tu ne peux rien. La mairie de la commune du Plateau a donc décidé de mettre les pendules à l'heure en posant des sabots, un moyen de répression qui semble inefficace. On n'a pas les sabots en quantité illimitée pour pouvoir intervenir sur tous les quartiers de la commune. Donc, il faudrait que nous puissions nous appuyer aussi sur les forces de police. L'Ivoirien, quand il doit aller faire une course quelque part, il veut garder sa voiture à l'entrée de l'endroit où il s'en va. Il faut qu'on se débarrasse de cette habitude. Il faut qu'on accepte aussi de marcher. Quand vous prenez, par exemple, la cité administrative, nous avons suffisamment de parkings souterrains. On était à 40% du taux d'occupation des parkings souterrains. Ça veut dire quoi? Qu'il y a près de 60% des places qui étaient laissées libres. Pendant ce temps, le phénomène perdure. Le nombre croissant de véhicules ne facilite pas les choses. La mairie et la police continuent de traquer les automobilistes récalcitrants en attendant que des mesures de coercition plus dissuasives soient prises. Bilan et perspective à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle de l'Innerwild, le district 909 de l'Innerwild. Il s'agit d'un club service qui œuvre dans l'humanitaire. Ce district a donc fait le point de ses activités, activités menées le long de l'année 2013, séance de consultation, prise en charge de femmes atteintes de fistules obstétricales, entre autres. Bilan jugé donc positif et on en parle avec Franck Quadio. Inner Wheel, la version féminine du Rotary Club, est à l'heure du bilan. Ces femmes bénévoles ont, le long de l'année, fait la promotion des actions de solidarité. Une fois par an, nous nous retrouvons pour discuter des problèmes de notre district, améliorer l'amitié et l'entente internationale dans tous les pays qui composent notre district. Nous avons l'occasion de nous retrouver, d'échanger, de partager et de définir les grandes lignes pour l'année qui vient. Consultation médicale dans les prisons.
lutte contre la pauvreté et la prise en charge des femmes atteintes de fistules obstétricales, conséquence de l'accouchement difficile, et bientôt d'autres actions de portée sociale. Nous avons pris en charge à l'époque 100 femmes avec l'aide de l'UNFPA souffrant de fistules. Nous avons donné aussi des kits de survie qu'on appelle des kits de dignité parce que ces femmes n'ont pratiquement plus rien. Nous avons organisé une consultation en faveur des femmes et des enfants de la MACA. Il y a des constructions de bâtiments au sein du CHU de Trècheville, à Daloa. Nous avons une construction au sein de l'orphelinat de Grand Bassam, construction de latrines. Aide à la réhabilitation d'une maternité à Frounan. Dans la perspective, nous avons comme deuxième cheval de bataille le maintien de la jeune fille en milieu scolaire. Le district 909 de l'international Inner Huile regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Plus que quelques heures pour l'ouverture du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain renoue avec le public 7 ans après. La cérémonie d'ouverture, ce sera donc pour demain, 1er mars, aux environs de 16 heures. Mais avant la 39e cérémonie des Césars, qui récompense les meilleurs films sortis en 2013, l'événement se tient à Paris, ce sera ce soir donc. Et dans la catégorie César du meilleur film d'animation figure Aya de Yopougon de l'Ivoirienne Marguerite Aboué. Sorti le 2 octobre 2013, Aya de Yopougon, film d'animation 3D de Marguerite Aboué, nominé au César 2014 dans la catégorie meilleur film d'animation long métrage. D'une durée de 1h28 minutes, le film raconte l'histoire de Aya, une jeune fille de 19 ans qui habite Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Jeune fille sérieuse, Aya préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Ses journées, elle les partage entre l'école, sa famille et ses deux meilleurs amis, Adjoa et Bintou, qui ne pensent qu'à s'amuser la nuit tombée dans les maquis. Pourquoi ton solutionnage rapide ? Chut, ce Moussa a de grandes oreilles. Les choses deviennent difficiles lorsque Adjoa se retrouve enceinte par Mégane. Que faire ? Bonjour, Tanti. Bonjour, ma chérie. T'es malade ? T'as quoi ? Tanti, je cherche médicaments pour enlever grossesse. Et ça, là, il n'y a pas son médicament, ma fille. C'est dans un langage familier que la réalisatrice Marguerite Aboué raconte l'histoire. Pour la 39e cérémonie des Césars, Aya de Yopougon se disputera le titre de meilleur film d'animation avec Loulou, l'incroyable secret d'Éric Aumont et Ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill de Marc Borel et Thibaut Châtel. Voilà, et puis hors de chez nous, au moins 7 morts dans l'explosion d'une voiture PG. Hier à Mogadiscio, en Somalie, l'attentat revendiqué par les Shebab a eu lieu devant un café de la capitale. Désolation et tristesse à Malakal, au sud-Soudan, après des combats de ces dernières heures entre les forces du président Salva Kiir et les rebelles de l'ancien président Riek Machar. Ces images ont été tournées mercredi à bord d'une voiture de patrouille de l'ONU. Nous sommes à Malakal, capitale de l'État du Nil supérieur au Soudan du Sud. Depuis l'attaque des rebelles lundi, Malakal est une ville fantôme, incendiée, saccagée, vidée de ses habitants. Ceux qui n'ont pas pu se cacher ont été assassinés dans les rues. À l'hôpital, les rebelles ont tiré sur les patients, tuant 14 d'entre eux. Le représentant des Nations Unies pour le Soudan du Sud est sous le choc. Je suis très très ému par ce que j'ai vu à Malakal. J'étais ici il y a 4 semaines avec Valérie Amos et c'était une ville qui revenait à la vie. Eh bien la vie touche à sa fin. Mercredi, l'ONU a évacué près de 1800 habitants de Malakal qui avaient trouvé refuge dans une église. Ils ont rejoint les 75 000 autres Soudanais dans les camps de l'ONU qui fuient les combats entre les forces du président Salva Kiir et les rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. Des combats qui se poursuivent malgré le cessez-le-feu de janvier dernier. Médiateur depuis le début de la crise, le président kényan Uhuru Kenyatta s'est rendu mercredi à Juba, capitale du Soudan du Sud. Il a réaffirmé son soutien au président Salva Kiir. Tous ces efforts sont destinés à assurer une résolution rapide, la paix pour le peuple du Soudan du Sud et la stabilité pour la région tout entière.
Le président kényan a annoncé le déploiement de 310 soldats supplémentaires au Soudan du Sud dans le cadre de la résolution de l'ONU. Le conflit qui se poursuit depuis mi-décembre a fait des milliers de morts et près de 900 000 déplacés. Le président français François Hollande est depuis quelques heures à Bangui en Centrafrique. Une visite qui intervient au lendemain du vote de la prolongation de l'opération Sangaris dans le pays. Le chef de l'État français qui, dès son arrivée à rencontrer les troupes françaises, a également rencontré la présidente par intérim Catherine Samba-Panza et des responsables religieux. En Turquie, et c'est cette autre intervention via une vidéo du Premier ministre Erdogan qui fait la une. Où est l'argent ? Interroge à sa une ce quotidien Ankara. Le dernier feuilleton turc titre un autre. Jeudi matin, les Turcs se sont réveillés au son d'un deuxième enregistrement audio présenté comme la voix du Premier ministre. Sur la bande, on l'entend dire à son fils de ne pas accepter une grosse somme d'argent pour un contrat d'affaires, mais de demander encore plus. Les habitants d'Ankara sont à la fois sceptiques et pessimistes. Je suis ni un défenseur, ni un fan du gouvernement, mais ceci ne peut pas être vrai. Je crois que c'est un montage, c'est sans doute un montage. Vol, escroquerie, corruption se multiplient ces derniers temps. Le pays est vraiment dans une situation terrible, économiquement, socialement et politiquement. La veille, au Parlement, Recep Tayyip Erdogan avait encore une fois nié tous mes faits. Ils ont sorti une pièce de théâtre qu'ils ont montée et doublée eux-mêmes. C'est une ignoble attaque, pas contre Erdogan ou le chef d'AKP, mais contre le Premier ministre de la République turque. Vrai ou faux, ce dernier épisode souligne une réalité indéniable. Le régime d'Erdogan au pouvoir depuis presque 12 ans n'a jamais été si fragilisé. Des milliers de manifestants ont participé au rassemblement de l'opposition à Istanbul mercredi et la police anti-émeute est réapparue place Taksim. Les millions d'euros chez les chefs du parti au pouvoir appartiennent au peuple de ce pays. Je suis ici pour protester contre eux. Nous ne voulons plus que ce gouvernement dirige la Turquie. Les partis d'opposition essaient de profiter à fond de cette crise de légitimité du régime. En ligne de mire, les élections municipales qui se tiennent dans un mois, un scrutin qui sera un test crucial pour le parti du Premier ministre affaibli. La tension ne baisse pas en Crimée, en Ukraine. Deux aéroports de cette partie russophone du pays sont occupés par des hommes armés. Le ministre ukrainien de l'Intérieur par intérim accuse la Russie d'invasion armée et d'occupation. Pendant ce temps, une enquête pénale est lancée contre le clan de Yanukovych pour blanchiment. Depuis ce matin, à Simferopol, le drapeau russe flotte sur le Parlement de Crimée. Dans la nuit, une cinquantaine d'hommes armés ont pris le contrôle de ce bâtiment et du siège du gouvernement de cette péninsule du sud de l'Ukraine. Quand ils ont pris le Parlement, ils ont mis dehors la police. D'autres bus sont arrivés et une trentaine d'hommes sont descendus. Ils ont commencé à débarquer leurs affaires et il y avait des roquettes anti-chars, des fusils à lunettes, des kalachnikovs, des pistolets. Ils étaient lourdement armés. Ce sont des parachutistes russes. La Crimée est russe, peut-on lire devant le Parlement. La péninsule, majoritairement russophone, est rattachée depuis 1954 à l'Ukraine. Elle abrite toujours la flotte russe à Sébastopol, sur les bords de la mer Noire. C'est la région la plus susceptible de se mobiliser contre les autorités pro-européennes en place à Kiev, après la destitution de Viktor Yanukovych. Mercredi, de brefs affrontements avaient opposé partisans du nouveau pouvoir et manifestants pro-russes qui réclament un référendum sur le statut de la Crimée. À Kiev, à peine adoubé par le Parlement pour former un gouvernement d'union nationale, le Premier ministre affichait sa détermination. Le nouveau gouvernement fera tout et utilisera tous les moyens légaux pour stabiliser la situation en Crimée. Et pour convaincre le monde entier et tous les pays voisins que l'Ukraine est un pays uni et souverain où aucun séparatisme n'est toléré. La situation en Crimée est suivie de près par la communauté internationale, d'autant que la Russie a placé depuis mercredi une partie de ses troupes en état d'alerte, notamment le long de sa frontière avec l'Ukraine.
Personne à ce stade ne doit faire d'erreur. Les États-Unis sont très concernés par la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en ce moment critique. Inquiétude également à l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance a exhorté jeudi la Russie à éviter toute action pouvant provoquer une escalade. Et puis cette information en sport avant de nous dire au revoir, les 27 éléphants de Sabri Lamouchi sélectionnés pour le match amical Côte d'Ivoire-Belgique le mercredi 5 mars prochain à Bruxelles sont connus depuis hier. Pour cette rencontre préparatoire du Mondial 2014, le sélectionné ivoirien a réquisitionné 3 gardiens, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 7 attaquants. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis.